C'est le jour de la Pentecôte 2008. Nous allons tout à l'heure suivre la célébration qui sera faite par le révérend père prieur Tigira Ospe de ce monastère. L'Esprit de Dieu est donné gratuitement pour nous tous. Le psaume dit, tu envoies ton souffle et tu renouvelles la face de la terre. C'est pour ce renouveau que l'Esprit vient en nous. Et pour vraiment montrer que nous allons nous renouveler. Nous allons reprendre comme au jour de notre baptême, notre profession de foi, c'est-à-dire que nous allons renoncer au mal et nous allons nous attacher à Dieu. Au début de cette célébration, vraiment renonçons à ce mal. Renonçons au diable, renonçons à tout ce qui conduit au péché, afin que ce renouvellement soit réel et soit senti dans nos vies. C'est pourquoi, si vous le voulez bien, prenons un petit instant pour aller au fond de notre cœur, pour trouver tous les coins obscurs et les ouvrir à l'action de l'Esprit. Au début de la création, quand la terre était vague et vide et tohu-bohu, c'est l'Esprit de Dieu qui planait pour mettre de l'ordre. Nos cœurs
qui sont remplis de tohu-bohu, nous devons les ouvrir à l'action de l'Esprit pour qu'il fasse une création nouvelle. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon Père que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Thank you.
Tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Nous te le demandons par Jésus, Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés et émerveillés, ils disaient : ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Saint Paul à l'Épître aux Corinthiens. Frères, sans le Saint-Esprit, personne n'est capable de dire Jésus est le Seigneur. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, Christ est saint, Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. » Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'Évangile, aujourd'hui, Jésus nous a fait cadeau de quoi, Immaculé? Tu étais là ou non? Ah, il nous a fait cadeau de quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Ben de chanter en français une chanson, qui est qui, non? C'était ça, la chanson, ou non? C'était comme ça, qui est qui, ou non? La chanson qu'on chantait. Ah, c'est pas qui est qui. Ah, je croyais qui est qui. On parle beaucoup de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est qui? Si vous regardez le film La guerre des étoiles, c'est la force, c'est une énergie qui peut t'amener au côté obscur du mal ou au côté du bien. Selon le choix que tu feras dans la vie, la force sera avec toi ou contre toi. Tandis que la force t'accompagne. Si vous regardez les films, quel film? Le Seigneur des Anneaux. Il y a une puissance pour le bien et pour le mal. Mais c'est la même puissance. Il y a l'anneau qui c'est pour le bien et pour le mal. Il faut détruire l'anneau pour que l'humanité soit sauvée. Ça, c'est comme une énergie de l'esprit. Mais l'esprit saint. Pour vous. Si tu viens en droit. C'est une puissance. C'est une énergie. C'est quoi? C'est qui? Qui est qui l'Esprit Saint? Qui peut me dire? C'est une puissance ou non? L'Esprit Saint n'est pas une puissance. C'est une énergie? C'est même une énergie. Ah, c'est quoi? Si c'est pas puissance, c'est une énergie. C'est une personne. C'est une personne. Ah, oh, oui. Une énergie? C'est parfait. Si c'était une puissance, il n'aurait pas Trinité. Il aurait le Père et le Fils, et c'est fini. Si c'est une personne, c'est Trinité. Si c'était une puissance, on peut l'utiliser pour qui? À mon service. Je peux essayer de prendre l'Esprit Saint, de le réduire à mon service. Comme ça, je vais prier la prière de notre Père avec égoïsme. C'est-à-dire, qui peut me prier la prière de notre Père avec égoïsme, involontaire? Allons-y, toi-même, ou toi. Chut, c'est mon Père. Mon Père. Mon Père. Mon Père qui est aussi. Non, qui est dans mon tiroir.
continue, aimez le vieux, faut l'aider. Mon Père, qui va continuer. Que mon nom soit sanctifié. C'est ça. Que mon règne vienne. Que ma volonté soit faite. Ici, ici, en bas. Et après au ciel, toi pour me servir. Les conseils de personne, on ne peut pas les utiliser. Et quel est le travail de cette personne? Pourquoi il est là, cette personne? Quel est son rôle? Il a montré l'amour égoïste. L'amour égoïste, c'est regarder seulement soi-même. La famille, à son service. La société, mon corps, toutes les choses qui existent, pour moi, pour moi. Alors, quel est le travail de l'Esprit Saint? Faire passer cet amour égoïste à quel amour? L'amour gratuit, c'est aimer à la manière de qui? Nous tous, nous avons nos désirs. Alors, il faut transformer mes désirs dans la vie ou avec le désir de quoi? De qui? Mes désirs doivent devenir le désir de Jésus. Si cela arrive, je vis comme ressuscité. Mais ce désir, pour renoncer à moi-même, ça fait mal. C'est la souffrance. Il faut apprendre à mourir à moi-même pour que Jésus puisse rentrer à moi. Mourir à moi-même, nous sommes vendredi saint. Ressuscité avec Jésus, c'est quand il rentre dans mon cœur. Et cela, nous ne pouvons pas faire sans la personne de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est la personne de l'amour. L'amour en personne, c'est l'Esprit Saint. Si vous voulez être comme Jésus, alors il faut que vous soyez très proche de l'Esprit Saint. Aimez comme lui. Et alors, dit agir en vous. Voilà le secret. Vous partirez à l'université demain. Bon, demain jusqu'à 17h, on est ici. Hein. Vous partirez après demain à l'université. Dieu le Père a un visage. C'est qui? Jésus. Ce visage est charnel, cher. Dieu Esprit Saint a un visage. C'est qui? Nous. Mais notre visage, pour que soit le visage de Jésus, doit rayonner le visage de qui? De Jésus. C'est à vous. Apprendre à aimer à la manière de Dieu, c'est pas facile. Vous êtes prêts? Là, tu es prêt, mes cara? Quand les garçons vont te demander, tu vas faire quoi? Pas pêcher au légifle. Mes garçons, quand une fille vous dira, qu'est-ce que vous ferez? C'est ou la frappe? Au moins dans votre cœur, hein? Avec beaucoup de miséricorde, vous la frappez. Alors, laissez que l'Esprit Saint travaille en vous. Il est une personne pour vous accompagner dans ce chemin. Vous voyez, je tiens déjà mon livre parce que je ne peux pas parler sans livre, sans papier. On dit qu'un curé, après avoir lu l'évangile, comme il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut dire aux fidèles, il leur dit: aujourd'hui, je laisse l'Esprit Saint parler à vos cœurs. Et il a allé s'asseoir.
À la sortie de la messe, une fidèle l'aborde et lui dit, mon père, nous n'avons rien compris du langage de l'Esprit Saint. Alors pour que, à la sortie, vous ne disiez pas que vous n'avez rien compris, je suis obligé d'emprunter la voix de l'Esprit Saint pour vous parler. Et voilà ce que l'Esprit Saint me dit de vous dire. Je m'inspire de la première lecture qui nous montre comment l'Esprit Saint s'est emparé des disciples du Christ. Et chacun parlait sa langue. Et on les comprenait ceux qui les écoutaient les comprenaient dans leur propre langue, dans leur langue maternelle. Voilà comment l'Esprit agit. L'Esprit agit pour l'unité, mais en se servant de la diversité. Nous sommes appelés à l'unité dans la diversité. Notre religion n'est pas une religion d'uniformisme. Non. C'est l'unité même qui se fait dans la diversité. Donc, je pense que ce qu'on peut souhaiter à chacun pour ces jours, c'est que le Seigneur nous envoie effectivement les sept dons de l'Esprit Saint. Et pour avoir ces sept dons, il faut une disposition intérieure. Le Seigneur agit dans chaque cœur, mais d'une façon lente, étape par étape. Et il peut avoir des blocus. Quand on ne reçoit pas les sept dons, on reçoit au contraire les sept épines de l'orgueil. Il y a sept épines de l'orgueil. Donc, quand nous faisons blocus à l'œuvre de l'Esprit Saint, nous ne recevrons que les sept épines. Donc, je vous cite, premièrement, un, vantardisme. Après, nous avons l'amour de soi, l'égoïsme, être glorifié. Après, l'hypocrisie, l'entêtement, discorde, querelle et désobéissance. Voilà. Prions en ces jours pour que le Seigneur fasse clarité à nos cœurs, pour que nous recevions effectivement les sept dons de l'Esprit Saint. Amen. Et notre foi, il y a deux d'entre nous qui vont venir faire leur profession de foi. Ça sera aussi une parole de l'Esprit à nos cœurs. Je prie. Thank you.
Merci pour ce témoignage. Et comme vous voulez, par le baptême, vous rentrerez dans une communauté de foi. Toute la communauté va se lever pour proclamer sa foi avec vous. Et comme ça, vous lancez en votre chemin vers le Christ. Je vais vous dire une chose. Dans la foi chrétienne, il y a trois façons de baptême. Il y a le baptême du sang, le baptême de l'eau et le baptême du désir. Elle souhaite devenir chrétienne. Devant Dieu, vous êtes déjà baptisé. C'est le baptême de désir. Dans trois ans, vous recevrez le baptême de l'eau. Mais vivez en chrétien maintenant. Et ne croyez pas que l'Esprit Saint n'est pas en dehors de vous. Le baptême de désir, déjà l'Esprit Saint vous accompagne. Alors, aimez comme Jésus, et alors l'Esprit Saint va vous accompagner. D'accord, Marie Immaculée Conception? D'accord, Marie? Je deviens alors tombée amoureuse de qui? De Jésus. Ah bien. Après, si vous tombez amoureuse de Jésus, on peut tomber amoureuse d'autres choses. Mais d'abord de Jésus. Thank you.
chance de Puma, ne pas de Willia, ne vont pas de bâtiment de Warrior, ne vont pas de bâtiment de Warrior, est-ce que nous avons un peu de chocolat à votre télévision et standard, et n'a pas de dire, n'a pas de la fia, et n'a pas de bâtiment d'accord, mon dessous, ne pas de télévision, ne pas de bâtiment de musée, pour ce voilà, c'est bien que vous parlez.
Thank you.
dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons à la prière du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, nous aimons du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, le diable a des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix. Nous fait le récit
chaîne depuis trop longue, on a coupé à un moment donné. Parce que aussi dans l'église, quelquefois ça nous dérange, comme à la faculté, d'utiliser certains termes. Donc, dans l'église, certains termes, on a la pudeur de certains termes. Mais moi, comme c'est le bout de la question, comme si vous aviez perdu la raison. En repartant d'abord,
d'arriver à l'université comme si vous aviez gardé la raison, alors vous avez perdu votre temps ici. Vous devez retourner comme des gens qui ont perdu la raison. Et Blaise Pascal, un grand intellectuel, avait dit la raison et le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. La foi a des raisons que la raison ne connaît pas. L'esprit a des raisons que la raison ne connaît pas. C'est cette ivresse qui doit nous effectivement, témoigner de Jésus-Christ relève de la guérison. Vous savez, dans les mêmes temps des apôtres, donc juste après la Pentecôte, les disciples, Pierre et Jean, guérissent un paralytique de la belle porte. Et puis, on les fouette. Et ils sont tout heureux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Allez-y, comprendre quelque chose. On les maltraite, on les fouette, on les humilie, et ils sont tout heureux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. C'était comme si on leur donnait leur médaille de commandeur de l'ordre du Moulin. C'est la sainte ivresse de l'esprit. Et sans cette sainte ivresse de l'esprit, personne ne peut proclamer Jésus-Christ est Seigneur. C'est la deuxième lecture que nous avons écoutée. Parce que comment quelqu'un qui a été déraisonnable toute sa vie, qui est fini comme un bandit,